C'est une dynamique absolument magique de faire ça tous les trois. Il y a toujours l'un d'entre nous qui motive les autres et qui dit « Allez, il faut le faire aujourd'hui ». Je cherchais un véritable changement de style de vie pour notre famille. Pas seulement pour moi. Nos emplois du temps très différents représentaient notre plus gros défi. Nous avons commencé les séances d'entraînement à la maison, puis nous avons établi une routine respectant les horaires de chacun. Il y a environ 3 semaines, nous avons commencé à nous entraîner à la salle de sport et plus occasionnellement à la maison. L'idée d'optimiser notre temps et d'avoir la flexibilité d'être à la maison ou au gymnase a été un facteur clé. En fin de compte, on obtient des résultats à long terme. Et pas seulement à court terme. Je voulais essayer d'avoir une meilleure condition physique. Et comme ma mère l'a dit, on ne voulait pas d'une solution à court terme dont les effets allaient rapidement s'estomper. Mais d'un changement à long terme de style de vie. La profondeur des connaissances de Lorenzo dépasse tout ce que j'ai pu rencontrer. Son approche comprend tellement de domaines que ça réduit en quelque sorte le poids de tout ce qu'il y a à faire, de tous les défis. J'ai l'impression d'avoir quelqu'un à mes côtés pour m'aider plutôt qu'une personne qui me dit simplement quoi faire. Tout le monde commence à son propre niveau et peut progresser. C'est formidable, car c'est tellement individualisé que ça s'adapte à votre niveau de départ et vous permet de progresser. Peu importe que vous ayez 90 ans ou 10 ans. Mon enfant de 10 ans se joint parfois à nous et est capable de faire les exercices. Si l'exercice est trop difficile ou trop facile pour vous, il y a moyen de l'adapter. C'est tellement, tellement flexible. Même pour un enfant de 10 ans. Je pense que ça a amélioré notre relation familiale. On passe plus de temps ensemble. Nous prenons beaucoup de repas ensemble. Nous nous entraînons 3 fois par semaine ensemble. Et je pense aussi que ça nous aide à communiquer. Mon plus grand changement est l'augmentation de ma force. Je suis passionnée de randonnée. Je fais beaucoup de yoga et j'aime combiner les deux. Récemment, au cours des dernières semaines, j'ai atteint un niveau de compétence que je n'avais jamais atteint en 15 ans avec d'autres méthodes. En ce qui me concerne, un des grands changements a été de ressentir la satisfaction dans de multiples aspects de mon être. Ça me semble être une approche très complète pour couvrir tout ce qui est important. Pas seulement la santé physique et les améliorations, mais aussi les aspects émotionnels et psychologiques et certains autres éléments. J'ai l'impression que c'est plus exhaustif de cette façon. Et je ne ressens pas cette hâte d'en finir et de pouvoir enfin me détendre. J'ai l'impression que c'est plus un changement de style de vie pour moi qui a été beaucoup plus difficile pour moi que pour elle.